Ichimoku, analyse du Bitcoin du 28 juillet 2021. Avant de démarrer cette nouvelle analyse, vous êtes ici sur mon site web. Hein, il vous suffit de taper ichimokukinkoyo.info. C'est le point info qui est important dans votre barre de recherche pour tomber sur mon site. Vous trouverez un maximum de ressources. Vous avez ici les formations. Et je vous rappelle que depuis un certain temps, vous pouvez acquérir mes formations via votre compte de formation, le CPF. Il vous suffit de cliquer ici sur ce rectangle pour accéder à toutes les informations vous permettant de savoir comment acquérir mes formations via votre CPF. Repassons sur la page d'accueil quelques instants de façon à ce que je puisse afficher cet avertissement sur les risques. Je vous laisse quelques secondes pour en prendre connaissance. Et c'est parti. Donc, il y a approximativement, enfin pas approximativement, très exactement 2 jours, nous sommes ici, il y a 1 jour même, donc vous voyez. Nous sommes ici sur ma chaîne, cette fois-ci YouTube. Donc, pour accéder à ma chaîne YouTube, il suffit de taper Patrick Riguet dans le moteur de recherche de YouTube. Mais vous pouvez aussi y accéder directement depuis le site via le menu vidéo, ici dans le menu horizontal. Donc, il y a 1 jour, enfin, ça m'étonne, il me semblait que c'était il y a 2 jours, mais il y a peut-être un retard d'affichage. J'ai fait une analyse, où est-ce qu'elle est, du Bitcoin, c'est ici, il vous suffit de cliquer dessus, c'est désormais une nouvelle playlist hein, avec des analyses courtes que vous trouverez dans la liste ici des playlists Ichimoku Trading Analyse courte. J'ai fait une analyse du Bitcoin où j'ai indiqué selon moi quels étaient les supports résistance extrêmement importants du Bitcoin. Donc, nous allons voir ce qui s'est passé aujourd'hui, enfin ces jours-ci, ce qui s'est passé hier surtout, parce qu'il me semble que c'est tout à fait intéressant puisque vous avez sans doute comme moi assisté ou continué à assister à la petite bataille rigolote qu'il y a sur les réseaux sociaux entre les vendeurs et les acheteurs de Bitcoin qui bêtement s'envoient des politesses via les réseaux sociaux et chacun des deux camps lorsque le Bitcoin descend. Se moque de l'autre camp pour dire, ah, voyez, ceux qui pensaient que ça allait remonter, dès que ça remonte, dès qu'il y a une correction ou une remontée, c'est le contraire. Donc, ça n'a pas raté hier. On a assisté à cette petite guéguerre amusante sur les réseaux sociaux. Ce que je disais dans la vidéo que je viens de vous montrer précédemment, c'est que moi, je n'ai pas de biais sur le Bitcoin. D'ailleurs, je ne traite pas le Bitcoin moi-même, ce qui ne m'empêche pas de l'analyser. Il y a une résistance extrêmement importante qui se situe ici à 40 680 points. Et lorsque nous avons évoqué, donc, nous étions le 27 juillet, le 26 juillet, les prix se trouvaient par ici. Donc, vous voyez, nous n'avions pas atteint cette résistance. Et je disais qu'il n'y a pas à être dans un camp haussier ou dans un camp baissier. Depuis maintenant, le jeudi 20 mai 2021, les prix sont dans cette dérive latérale. D'ailleurs, vous voyez le nuage ici en H4 s'est mis à plat. On pourrait retrouver ça sur du daily aussi. Et nous avons un point bas si on compte, si on tient compte des mèches. Nous avons un point bas ici sur le niveau des 28 840, 28 700, on va dire, pour être un peu plus précis. Et nous avons un point haut ici au niveau des 40 680. Et tant qu'on ne casse pas franchement ce support à la baisse, on ne peut pas envisager d'aller beaucoup plus bas. J'ai expliqué dans la vidéo que je viens de vous montrer en introduction pourquoi ce support des 25 750 et pourquoi celui des 22 850 en bas. Donc on ne va pas y revenir. Et tant qu'on ne casse pas la résistance ici matérialisée par la borne haute de ce rectangle jaune, il n'est pas possible non plus d'envisager d'atteindre la résistance suivante qui semble se matérialiser ici par la Kijun Sen alignée à d'autres SSB. On a d'autres niveaux de résistance intermédiaire ici. On va dire entre 43 640 et 44 780. Donc là, nous sommes sur un graphique daily, pardon, je disais H4 en introduction, mais c'est bien un graphique daily. Tout ça pour vous montrer que depuis l'analyse que j'ai faite il y a 2 jours, les choses n'ont pas évolué. Nous avons bien eu cette poussée ici jusqu'à la borne haute de ce rectangle. Et tant que celui-ci n'est pas franchi, il n'est pas possible d'envisager d'aller plus haut. C'est faire un pari avec de très faibles probabilités de réussite, puisque ça peut aussi bien casser comme ça peut aussi bien partir dans l'autre sens.
Et à contrario, tant que ce support ici n'est pas cassé, pas possible non plus d'aller chercher les supports suivants. Donc rien n'a changé sur le Bitcoin. Il n'y a pas le camp des bulles qui aurait raison par rapport au camp des bears qui aurait tort. Pour le moment, on continue à dériver latéralement et il n'y a pas autre chose à dire. Tant qu'on ne sort pas de ce rectangle, il n'est pas possible d'établir des probabilités d'achat, de vente, de rebond, de retour sur des plus hauts ou au contraire pour enfoncer d'autres nouveaux supports. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt pour d'autres analyses. Bye bye.